biohazard container located by the cadavers. Help! Your best teammate. Remember it. Il scanne, on est en fait échec, mais c'est là exactement la façon. Donc. Oh là là ! 13 ans, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. 13 ans. La voilà la relève. Si le jeu n'est pas dead d'ici 2000. Ouais, non. Il soulèvera un marteau. Balancez-le, tirez dedans. Au revoir, terminé. Ah ouais, le bruit, hein. Et Clint va y aller. Il y va sur le reload. Oh, c'est intelligent. C'est hyper intelligent. Du coup, il le bloque. Et la grenade. Oh, la grenade, c'est hyper intelligent de la part de Clint. C'est hyper bien joué. La grenade légèrement timée, mais pas full timée. Et derrière, il est obligé de bouger puisqu'il voit du coup. Et du coup, ça lui permet d'avoir un kill relativement facile avec une personne qui est en train de décaler. C'est hyper bien joué de la part de Clint. Il va mettre le one tap. Ouais. Oh, papa, papa. C'est dur parce qu'il y a plein de petits... Même le petit Juan Tap, il est parti celui-là. Toxi 4. Grave, c'est moi. Pop, pop, pop. Parfait. Ce flic est parfait. Là, ça va être difficile pour lui de venir casser les pieds, au sens propre du terme. On va jouer. En face, on n'a pas d'impact. On a des alarmes. Et voilà exactement ce que je vous disais. Le pack, 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 pack. On le sait. On le sait. Ça va jouer là. Ça va jouer là. Ça va jouer là. Et c'est Not Too Slow qui l'emporte. I'm fine, you're late! Yeah, sorry, I was on toilet. What were you doing in the toilet? Peeing. Really? Yeah, is you don't do that? No, we don't in France. Is it because you were scared? No, because I needed to pee. Blaze va pouvoir ouvrir sa ligne maintenant. Attention à la petite, au petit punch hole qui vient d'être récupéré visiblement du côté de Cheesy, on le voit. Cheesy extrêmement agressif, pré-shot à gauche. On sait qu'il est rentré à droite et la tête qui reste en arrière. Ciao! Pour Slaze. Allez, on a entendu la grenade qui est en train de se dégoupiller. Du coup, on va la jouer en rebond pour éviter le couloir 90. Et derrière, on push, c'est hyper intelligent. Et on se fait un peu avoir sur l'impact en mode Zinedine. Et il va falloir pusher de la part du vigile. Il va falloir pusher de la part du vigile. Et il l'a même, mais c'est pas possible. Mais c'est la deuxième fois qu'on voit ça aujourd'hui, sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ces gens qui, à un quart de centième de seconde de la prise de la zone de sécure, rentrent dans le truc et mettent un kill, sérieusement. Où tu te dis, c'est bon, c'est fait, il est en train de sécuriser, s'il rentre pas, c'est fini. S'il rentre, c'est mort pour lui, c'est un mur à 90 degrés, il est en train de bien bouger, etc. Il a rien à faire, il n'y a plus qu'à cliquer. Attention à ça, on prend énormément de dégâts des deux côtés. Le petit flic qui va pas passer. D'ailleurs, on y va au deagle. Bim, le one tap, il passe. GG, well played. Très très bien joué. On est obligé, pardon, d'y aller en fait échec. Du coup, gauche, droite, gauche, droite. On essaie de faire bouger son adversaire. Et il le fait très très bien. Cheesy avance. Et c'en est terminé de Slaze qui s'était qualifié hier pendant les Open Series. GG, well played au 2. On va jouer bien son droning. On essaie de le trigger un petit peu sur le droning. Parce qu'on sait que ça peut pusher à ce moment-là. On lui met un petit coup. On sait. On va rentrer du coup. Oh, 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 oh. Il y avait genre zéro possibilité qu'il la mette. Ça va être très compliqué pour Dan. Très compliqué pour Dan. Ah, ça va être très compliqué pour Dan. Sauf quand on se met dans ce petit renfort où on envoie le message très fort en fait de se dire bah ouais, il a pas pu être dans l'autre renfort qui est à côté, qui est à côté du mur solo pétable. Il est pas arrivé par là. Chose qu'il aurait pu faire. Mais sachant qu'il aurait entendu les shotguns, il est pas arrivé par là. Du coup, il était forcément dans ce petit renfort. Et là, c'est quand il est pas renforcé celui-là. Forcément, impact grenade. Et derrière, on fait le kill. Eh, attention à ça. Eh ouais, on va se bloquer parce qu'on est trop gros. Trop de poutine, frérot. Eh ouais. Vous pouvez avoir le charme de la Salty Academy gratuitement en étant étudiant au campus de la Salty Academy. Le fait échec est parfait, nickel. Et derrière, on a une toute petite ligne de la part d'étoiles. On s'arrêtera pas sur ce genre de ligne-là. On va forcément passer à droite. Là, c'est mieux, je pense. Il va falloir envoyer tous les pruneaux au moment où il va passer. D'ailleurs, on va essayer de trigger, de scanner. On scanne super bien. Bon trigger discipline de la part d'étoiles. Il va ouvrir sa ligne maintenant. Et bam! God damn it! Dommage pour le rook quand même. On a un pistolet en face qui n'a pas le droit d'utiliser ses gadgets et ses drones. Est-ce qu'on pourrait pas le jouer de façon un peu plus intelligente? Et on va prendre énormément de dégâts là-dessus en plus. C'est à somme très mauvais pour Kalex. Et c'est la tête pour étoile. Magistral, rien à dire. Attention à ça. Attention à ça. Mais ouais, mais le Melusi, ça donne une information sonore. Très bien joué des deux côtés.
On a pas de grenade qui fait forcément peur quand on est en attaque parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Le petit pré-shot à droite, le petit pré-shot à gauche. Mais on n'est pas dupe du côté de joystick, on sait que quand on va swinger à droite, on va revenir à gauche. On prend tous les deux des informations, c'est très compliqué, ça va jouer à rien du tout. Et on se replace du côté de joystick, l'intelligence de jeu, de joystick de se replacer et l'intelligence de la part de JFK d'avoir laissé un drone de l'autre côté pour reprendre les informations, pour savoir s'il y avait effectivement quelqu'un qui se replace au moment où on est en train de reload. Et là, on sait plus trop. La bonne trigger discipline de la part de JFK qui envoie tellement de pruneaux que joystick va rebouger. Et on sait qu'il s'est replacé, mais le Melusi, qui l'embête. On aurait pu sortir un truc un peu gadget oriented. Allez, on va ouvrir sa ligne. Attention à cette petite ligne derrière la machine à café. Oh là là, deux fois qu'il vient coller ce flic. Une fois qu'il a totalement give up. Là, il push. Et derrière, il prend ses responsabilités. Il sait si ça pop à droite, à gauche, il va balancer le flic. Sur les 3 degrés sur lesquels il va devoir le balancer, il va balancer le flic. Et il le push, et il le balance pour le coup. Très bien joué. Du coup, il est obligé de retourner à un autre endroit, une autre fenêtre. Oh! Le flic de la part de joystick. J'y croyais tellement qu'il allait tomber. Du coup, il va refaire la même technique que tout à l'heure, d'essayer de faire en sorte que la partie de droite est juste devant lui. Soit clear. Et on met énormément de dégâts. Il est plus qu'à 15 HP JFK. On le sait qu'il est là-bas. On a voulu l'envoyer là-bas. On l'a envoyé là-bas. Ce qui nous permet de contester. Il n'y a que cet endroit que la tête peut apparaître. Quel joueur? Ou là-bas effectivement. Et derrière il la met JFK. Le timing de ouf. Parfaitement exécuté. Il se lève et il la met. C'était tellement bien joué de la part de joystick. C'était parfait. Et pourtant 8-6. Joystick est éliminé. Et have fun les amis. Let's go. Let's fucking go! J'aime bien Sheiko. Hein. Mais let's go, Len! Len sait qu'il va pré-shot ici, mais s'il vient pas à gauche, c'est qu'il faut l'anticiper à droite, attention. À droite. Len, tu peux pas te laisser avoir par ça, Len! Eh ouais, juste à droite. S'il est pas passé à gauche, c'est qu'il était en train d'avancer à droite. Très bien joué de la part de Sheiko. Et on va reload. Et on prend une petite info. Et on se replace du côté de Len, ce qui est intelligent. Mais attention à là. Attention à Len. Oh, non, my God, my God! Oh, la précision magnifique de la part de Len. Très très propre, 3-2, il revient au score. Allez, l'ouverture de la part de Len. Et on sait qu'il est rentré. Et au moment où il rentre, forcément, on n'a fait aucun bruit. Et forcément, étant donné qu'on avait cassé en early les deux drones, on l'a vu tout à l'heure, on est dans une logique de face check. Alors là, avantage à la défense et avantage au défenseur qui aura l'information que quelqu'un vient de mettre un pied sur sa zone à sécuriser. KS qui va droner, mais c'est toujours en mode... Magnum. Ah! What? Are you fucking kidding me? Sérieusement? Ils ont dansé tous les deux autour d'un pylône qui fait 20 cm de diamètre. Alright, thank you so much, KS. Thank you so much. I don't know if you can hear me, like it's still okay. Et il arrache quitte. Are you gonna do it in English or French? We can la do it with an English, but with a very very strong French accent. French accent? Yes. Tu veux que je parle comme ça? Yes, okay, so I do it in English and you do it in French. Let's do it. Ah, bonjour les copains, aujourd'hui nous allons voir Sheiko contre Barbie Shark. Merci encore et toi le thermos. What? Non mais what? Non mais what? He just named himself because of the weird yeah, texture. The little no thing. Yeah. It's no thing that pushed the grenade towards him. Oh my god, this is going on YouTube. Yeah, worst map ever. Moi je suis trop bon. Maybe we shouldn't, you know? No, let's do it, all right. But I've done it before. Let's do it. Daddy Shark. Baby Shark. Baby Shark. No, but you got a voice changer. No, I don't. It's just my voice. Yeah, it's just your voice, okay. Ouais, c'est ma voix. So when you have like a French player who is like playing in on Rainbow Six right now, you know, it's like, hey, it's Sheiko, just near Sheiko, okay? Shoot in the Sheiko wall, all right? And put the Sheiko wire next to the Sheiko room. No, I'm not kidding. True, no. That's so true. C'est vrai. À chaque fois maintenant, il y a un call Sheiko partout. T'sais. Regarde, il est à côté de Sheiko. Sur Oregon, le raid, Sheiko. Café en haut, Sheiko, man. The Sheiko crowds, the Sheiko throne, the Sheiko peak pulling off the 9/11. Oh my god, he just did a Sheiko peak on the Sheiko wall. And he Sheikoed Sheiko. And the Sheiko body teleported through the wall. Yeah. Il a fait une Sheiko sur Sheiko, au niveau du mur Sheiko, dans le corner Sheiko, sur Sheiko. Et ça... Sheiko. Ça c'était tellement Sheiko là. Let's go.
Oh my god! What is that? It's the Shaco move! On the Shaco later! Sur l'échelle Shaco, c'est le Shaco move! It looks like VR! On dirait des vieux trucs en VR! Yeah, yeah, yeah! Oh my god! Mais c'est fait par Ubisoft! Oh non! Oh my god! On est tous les deux blacklist, de toute façon, rien peut nous arriver. Intouchable! Intouchable! He heard him leaving. Oh my fucking god! The Shaco wall bang! The Shaco wall bang on the Shaco wall! How many times is he gonna pull that move? Oh my! To the opponents in the 1v1, this is crazy! Effectivement. What the fuck?